Ma mémoire est réduite à éclats, comme la bouteille qui s'est fracassée sur mon crâne il y a quelques jours. C'est pour cela que j'attends impatiemment dans cette salle d'attente. Grâce au rapport des psychologues de la justice, je connais les grandes lignes de l'agression. Ils décrivent le déroulement de la nuit durant laquelle mon partenaire a perdu la vie, et moi, la mémoire. Revenons à l'instant où j'ai pu apaiser ma haine. Je me suis rendue chez le connard qui a tué mon amant. Avec un couteau, je me suis introduite chez lui pour me faire justice. Après une attente interminable, Dr A et Dr B vont finalement me restituer ma mémoire grâce à leur sérum. Leurs deux gueules de bâtard ne m'inspirent pas confiance. La piqûre est d'une violence inattendue. Et à mesure que le sérum inonde mes veines, je me sens submergée d'images et de sons jusque-là inconnus. La puissance du sérum me terrifie et je veux m'enfuir. Immobilisée par le poids de ma mémoire, je ne suis que témoin de leur rictus sadique. Les effets secondaires sont insoutenables. Et le produit a fonctionné. Génial. Mon nom est Maya de Bonifa.